Bonjour. L'épreuve dure 10 minutes. Vous devez identifier, sans goûter, les 5 produits devant vous et préciser pour chacun le type de boisson, la classification et le produit de base. Puis tirer au sort un papier et indiquer la méthode d'élaboration du produit, le produit de base, les principaux pays producteurs et autres informations utiles si nécessaire. D'accord. Verre numéro 1, je pense que c'est une bière, donc le produit houblon Malteo. Plutôt bière brune. Verre numéro 2. Liqueur d'orange, Cointreau. Liqueur d'écorce d'orange fait à Angers, Saint-Barthélemy d'Anjou. Verre numéro 2. 3, pardon. Je passe au verre numéro 4. Verre numéro 5, la famille des anisés. Donc ABA à base d'alcool. Je pense à l'anisé Henri Bardouin. Verre numéro 4, eau de vie de plantes, eau de vie de canne à sucre, rhum agricole. Pur jus de canne à sucre, Fézou. Et verre numéro 3. J'hésite entre le whisky et le cognac. Je partirai sur le cognac eau de vie de vin. Est-ce que vous voulez que je récapitule ? Comme vous voulez, monsieur. Alors, verre numéro 1. Donc, la famille des boissons fermentées, bière brune. Verre numéro 2, liqueur d'orange. Donc, Cointreau. Verre numéro 4, eau de vie de plante, eau de vie de canne à sucre, rhum agricole, famille des eaux de vie. Et verre numéro 5, anisé. Anisé, la maison Henri Bardot. Et verre numéro 3, je maintiens le cognac, eau de vie de vin. Le rhum. Le rhum. Oui. Donc le rhum, ça fait partie de la famille des eaux de vie de plantes, eaux de vie de canne à sucre. Donc on peut distinguer deux types de rhum. Donc les rhums à base de vézou, donc c'est le pur jus de canne à sucre, donc après la presse de la canne à sucre. Donc on l'utilise pour la fabrication des rhums agricoles. Donc la majorité des rhums agricoles se situe les Antilles françaises, Martinique. Ensuite, on a les rhums de mélasse. Donc, ce sont le jus de canne à sucre auquel on sépare le, donc qui est fermenté,
Et ensuite, avec l'action de centrifugation, on va séparer le sucre. Et du coup, on va garder, donc c'est un liquide aspect noir, donc qui est fermenté puis distillé. Donc c'est utilisé pour les rhums traditionnels. Également, on a les rhums de Martinique. Donc, c'est les seuls rhums qui bénéficient d'une AOC, donc obtenue en 1996. Donc la plupart des rhums se situent des pays chauds, enfin, pays chauds et humides, anti-françaises, Caraïbes, où pousse la canne à sucre. Pour la distillation des rhums, on utilise des alambics à repasse. Vous citez peut-être des marques commerciales. Donc, on va retrouver Rhum HSE par exemple, Rhum Dillon, Rhum Damoiseau, Rhum Dom Papa, Diplomatico, Trois-Rivières, un petit peu les marques commerciales. Donc je reviens un peu sur la méthode de fabrication. Donc tout d'abord, il y a la canne à sucre qui est récoltée. Et ensuite, elle est emmenée donc à la maison de rhumerie. Il faut que ça soit assez rapide, car sinon la canne à sucre commence déjà à fermenter. Ensuite, elle est pressée. Pressée, donc on obtient du jus de canne à sucre, donc soit du vésou pour les rhums agricoles, soit ensuite la mélasse pour les rhums traditionnels. Ensuite, on a la fermentation, qu'on obtient un produit assez faible en alcool, qui va ensuite être distillé dans un alambic pour obtenir une eau de vie. Donc on a la première chauffe, donc on obtient une boisson qui titre aux alentours des 30 degrés, et ensuite on le redistille pour avoir un produit qui titre aux alentours des 50 degrés. Et ensuite, soit est mis en bouteille directement, donc réduit, mise en bouteille, ou bien on a l'étape de vieillissement, vieillissement dans des fûts de chêne. Ça peut être aussi des fûts de chêne qui ont accueilli des xérès, selon le style de la maison de rhum. Au moment de la presse de la canne à sucre, on obtient les matières fibreuses, la bagasse. Donc ça utilise, on peut l'utiliser pour justement alimenter l'alambic, utilisé en fait comme du bois pour pouvoir alimenter l'alambic. Donc, vu que les rhums sont produits dans des régions humides avec de fortes chaleurs, on a aussi le vieillissement. On a une part des anges qui est très importante. Donc avec l'évaporation tout simplement. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir des rhums vraiment très âgés comme on pourrait avoir par exemple pour des cognacs ou des eaux de vie du même style. Merci à vous si vous avez des questions. Merci monsieur. Merci à vous. Merci, au revoir.